suis sûr qu'il doit y avoir une entrée cachée. Le tunnel de la liberté. Avant que le Fist soit créé, c'était le paradis des sans-abri new-yorkais. C'est plus ou moins désert maintenant. Pas mal pour se planquer. Je suis sûr qu'il doit y avoir une entrée cachée. Bingo. On dirait qu'il y a tout ce qu'elle a volé. Mais aucun signe de Felicia. Les livres de comptes des familles du crime de la Magia. Elle essaie de les faire chanter? C'est quoi ça? Spidey. Tu as tout fait pour me faire changer de vie, hein? T'es adorable et mignon aussi. C'est pourquoi je t'ai préparé un truc un peu plus flatteur. Assume ton sex-appeal. Alors quoi? C'était qu'un jeu de piste, c'est ça? Spider-Man, Black Cat vient de cambrioler la salle d'épreuve du commissariat. Quoi? Comment? Cet endroit est un vrai coffre-fort! Tous ces chats que vous avez trouvés. Quand ils étaient dans la salle d'épreuve, ils se sont connectés pour amplifier leur signal et désactiver les alarmes. Personne ne l'a vu entrer. Elle savait que je trouverais ces chats et que je vous les signalerais. Une fois de plus, elle m'a bien eu. Elle a pris quoi? Son ancien costume et son équipement. Elle m'a laissé pour 50 millions de butins sur les bras juste pour récupérer son équipement? Ce qui veut dire qu'elle a un truc encore plus gros de prévu. Eh bien, chapeau l'artiste. Elle vous a bien eu. C'est un sourire que j'entends. Vous souriez là? À plus tard. Du vin d'un vignoble de la Magia. Hey. Notre prochaine auditrice nous parle d'un problème que j'ai vu venir à des kilomètres. On vous écoute. Alors, c'était hier soir. Je suis en train de sortir de ma baignoire. Je regarde par la fenêtre. Et là, qu'est-ce que je vois? Spider-Man, qui se balade au bout de sa toile, tranquille, j'étais toute nue! Madame, je compatis avec vous. Imaginez le genre de personnalité déviante qu'il faut avoir pour se costumer de la sorte! De là à jouer au vicieux, il n'y a qu'un pas. Chers auditeurs, peu importe que vous viviez au rez-de-chaussée ou au 31e étage, tirez les rideaux, fermez bien vos fenêtres! Un pervers tisse sa toile parmi nous! Des terroristes masqués se sont emparés d'un garde civil. Besoin de renfort dans le Meatpacking District. Terminé.
Pardon pour le retard. Bonjour, Peter. Ou bonsoir. Bah, ça ne fait rien. Tu peux vérifier les neurocapteurs? Il nous faut un temps de réponse plus court. M'en charge. Essaie de le faire passer sous les 3 millisecondes. Voyons, je dois pouvoir optimiser ce relais électrique. Parfait. Ok. Et ensuite... Il y a un problème d'impédance sur ce circuit neurosensoriel. Le rapport signal-bruit est faussé. Changer le processeur de signal devrait réduire la latence. J'ai réussi, Doc. 2,8 millisecondes. Beau travail, Peter.
Ça nous fait une petite victoire. Vous voulez rire? C'était génial! Un coup de main? Oui. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Ça se voit tant que ça? Mon médecin parle d'un désordre neurologique dégénérescent. Très certainement dû à une surexposition aux produits chimiques dans ma folle jeunesse. Et je peux faire quelque chose pour vous? Oh, tu m'aides déjà. Le pire, c'est que ça affecte seulement les muscles. Le cerveau, lui, fonctionne toujours, mais... il ne peut plus agir. Tu es le seul à savoir, Peter. J'aimerais que ça reste entre nous. Bien sûr. Et si tu préfères trouver un travail qui aurait plus d'avenir... Non, j'ai voulu travailler avec vous pour ce que vous avez là-dedans. Et ça a pas changé. Alors je reste ici. Oh, Peter, avant que j'oublie, j'ai lu un article passionnant qui pourrait nous guider dans le développement de l'interface neurale. J'y jetterai un œil. Merci, Doc. Qu'est-ce que c'est, Doc? J'avais encore jamais vu cette matière. C'est pour faire de la soudure, tu le crois, ça? Il offre une protection magnétique remarquable et limite la contamination croisée entre l'interface neuronale et les bras. Je me souviens. Interface directe avec les noyaux gris centraux. Prometteur, mais risqué. Je sais pas, Doc. Il faudrait un treillis de gallium pour que ça marche. Et les risques de blessures resteraient élevés. Du gallium, c'est génial. T'en fais pas pour les risques. On s'en occupera en temps voulu. L'état du Doc s'aggrave. À ce rythme, il aura perdu le contrôle de ses fonctions motrices dans moins d'un an. Et si on fait pas attention... un implant intracrânien pourrait accélérer le processus, voire altérer sa personnalité. Il va falloir être prudent. Peter commence à se douter de quelque chose. Il le cache, mais je le sens. Il a vu mes sursauts. Il a remarqué la déchéance de mon contrôle moteur. Bon. C'est moi qui évolue un génie comme assistant. Bien sûr qu'il a compris. Il me faut juste un peu plus de temps. Mon travail peut aider des millions de personnes, sauver des millions de vies. Il peut aussi sauver la mienne. Il me faut juste un peu plus de temps. Doc, désolé, mais ma tante vient de m'envoyer un message. Pas de problème, Peter. Je pensais faire une pause, aussi.